bonne idée ce petit footing. Ouais. Ça change les buts de Chaumont quand même. Moi j'ai jamais vraiment cru au but de Chaumont. Hein. Il y avait la question de quelle position moi j'avais en tant que réalisateur en allant faire ce film. Je suis pas ethnologue, j'ai pas du tout cette prétention-là et je voulais surtout pas l'être pour ce film. Donc pour moi, ce qui était important, c'est d'avoir le maximum d'informations que je pouvais avoir par Nicolas, mais des informations presque que j'aurais pu acquérir pour n'importe quel film. C'est-à-dire ce que je lui ai demandé, c'est de me parler de la façon dont vivaient ces gens-là, du rapport à la chasse, du rapport à la tradition, du rapport à ces questions de survie essentielles. Et aussi de me dresser les portraits de tous les personnages qui pensaient qu'ils pouvaient m'intéresser pour le film. Donc j'ai écrit à partir de ces témoignages-là. C'est-à-dire que j'ai écrit des personnages sans les avoir rencontrés, sans faire de repérage. Et je suis arrivé là-bas avec les rôles qui étaient ceux dont m'avait parlé Nicolas. Et j'ai écrit cette histoire, une histoire assez précise, avec ces éléments-là. Il y avait aussi la prise de risque de ne revenir... De ne pas réussir le film et de revenir sans image, quoi. Ça, c'était très important. C'est la première fois que je faisais un film avec cette chose de me dire peut-être que j'arriverai pas à mes fins, parce que le background dont je vous parlais, la comédie, le fait de ne pas m'être beaucoup renseigné sur la culture inuite, enfin, tous ces éléments-là dont j'avais besoin pour faire le film, ça aurait pu ne rien donner en fait aussi. Mais il y avait ce risque-là. T'as eu une enfance horrible. Bah ouais, j'ai pas été un enfant super heureux. Mais t'es sérieux quand tu dis ça? Je plaisante jamais avec l'enfance, Thomas. Ça fait 10 ans que je te connais et je ne sais jamais quand t'es sérieux ou quand tu rigoles.